te dire. J'ai été intégré dans le réseau de ton focus. Parfait. Et les autres Zéniths ne peuvent pas nous entendre? Bien sûr que non. Et ils ne savent rien pour ta base non plus, si jamais tu te posais la question. Je t'ai envoyé des données sur les batteries des Horus que tu peux utiliser contre les forces de Regala. Préviens-moi quand tu auras mis la main dessus. C'est d'accord. J'arrive! Le gel lui ferait du mal. Pense à ajouter des pierres pour les mettre. Il ne faudrait pas que ces machines s'échappent.
m'a jeté une pierre au visage. C'est pas comme si ça pouvait l'empirer. Ah ah. Hé, hey, d'où tu sors, toi? Hé, hey, on a de la compagnie. On ne donnera pas. Quand on te blesse, il faut rendre les coups. Verser le sang. Hé hey, je... Une minute. C'est Caro, les Zéniths ont Beta et Gaïa. On ne peut pas rester là, pleurnicher sans rien faire. Kotalo a raison. On doit se battre. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Affronter tous les rebelles de Régala, c'est ça? Sans oublier les Zéniths. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Se jeter contre leur base? Quelque chose du genre. So. Quand on a perdu contact avec toi, on est allés ensemble aux Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'enregistrement sur le focus de Varl s'interrompt quand ce Zénith Eric... Les Zéniths traquaient Héphaïstos. Quand Gaïa l'a piégé aux Gémeaux, il savait où on était. Et quand Varl a voulu les arrêter, ils ont pris Beta et Gaïa. Je dois ma survie à l'une des Zéniths qui s'est retournée contre les autres pour me sauver. L'une d'entre eux? Bon. Au moins, on ne t'a pas perdu aussi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va affronter les Zéniths. Pour récupérer Beta et Gaïa. Mais d'abord, on va arrêter Régala. Comment? Au Gémeaux, Beta m'a offert un cadeau. Je dois d'abord faire quelque chose pour que ça fonctionne, mais ça pourrait mettre fin au massacre. On raconte que Régala prépare son armée pour un énorme assaut sur le bosquet. Il faut que j'y sois. Je sais. Vas-y. Protège Écaro. Et pense à surveiller le ciel. Que les 10 guident ton arme. Quant à vous autres, si vous devez vous préparer d'une quelconque façon, amélioration, ravitaillement, n'attendez pas. Nous n'allons pas tarder à combattre les Zéniths. Nous serons avec toi, Aloy. Et quand tu seras prête, retrouve-moi à la sortie Est.
J'aimerais te parler en privé. Même aux heures les plus sombres, tu es comme la flamme qui éclaire notre chemin. Dis-moi juste une chose. Est-ce que je vais pouvoir désintégrer quelques-uns de ces enfoirés de Zénith ? Oh que oui. Bien. Avant de me lancer dans autre chose, je dois aller voir Zo. Ça avait l'air important. Par ici, Aloy. On venait souvent ici pour s'occuper du jardin. Parfois, c'était juste pour souffler. Et d'autres fois, on s'asseyait devant le lever du soleil. Alors, quand on est revenu des Gémeaux, je me suis dit qu'il devrait reposer ici. Maintenant, il peut admirer Mélopée autant qu'il veut et... Et plus à l'est, les terres sacrées des Nora. Ça lui aurait plu. Il parlait souvent de sa sœur, Vala. Il m'a dit qu'elle aimait aller cueillir des fleurs dorées pour décorer sa lance. Leur mère trouvait ça inutile, mais Vala était têtue. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ça n'a pas été simple, mais j'ai retrouvé la fleur. Et récupéré ses graines. Se fane et meurt figé dans la neige, la graine germe toujours quand arrive le printemps. De la mort naît une nouvelle vie. Ça vaut pour la nature. Et également pour nous. Je suis enceinte, Aloy. J'allais lui annoncer à notre retour des Gémeaux. Au lieu de ça, un jour, j'amènerai notre enfant ici. On s'assiera près des fleurs. Pour le lever du soleil. Je n'ai jamais pu lui dire. Le remercier. De m'avoir sauvé, bien sûr, mais aussi de m'avoir autant soutenu. Il le savait. Dieu, Varl. Je promets de m'occuper d'eux. Je vais essayer de repasser dès que possible. Mais pour l'instant, je dois rejoindre le terminal de fabrication pour installer le nouveau piratage sur ma lance. Puis je l'utiliserai sur une aile des lions, et je ferai une entrée que Regala n'oubliera jamais. Je sens plus mes doigts avec ce...
voir, Varl. On va se les faire, c'est arrêté. Piratage installé. Il me faut une aide des lions maintenant. Je crois qu'il y a un nid en haut de la montagne. Il faut que je trouve une aile des lions à pirater. Je devrais grimper la montagne. J'arrive ! Bien. Il y a des ailes des lions là-haut. Je vais devoir les approcher discrètement. On dirait que ces ailes peuvent refléter le soleil. Et j'imagine qu'il doit voler vite. Tilda ? Tu perds une batterie, sur... mais d'abord tu dois envoyer une impulsion pour les activer. Je t'ai envoyé le logiciel. Tu vas devoir pirater Cassion, que tu as un au milieu du désert qui devrait faire l'affaire. Voilà le grand coup, c'est sur sa tête. Maintenant, comment je fais pour atterrir ? J'y suis.
J'ai plus quelqu'un. C'est bon, Tilda. J'ai piraté le grand coup. Bien. Alors les batteries sont prêtes. Tu n'as plus qu'à en prendre une sur un Horus. Le plus proche devrait se trouver au nord-ouest de ta position. La faire tomber sur l'armée de Regala devrait offrir un sacré spectacle. Merci pour ton aide. Je te l'ai dit, je veux aider. Du clan du désert. Elle est vraiment immense. L'Horus devrait se trouver au nord-ouest. Rebelles de Regala. Des renforts, peut-être. Ils se dirigent vers le bosquet. J'espère que Carole et Tina pourront venir encore un peu. Par les puces, elles volent ! Voilà la batterie. Le dos de ce titan. J'ai la batterie. Au bosquet maintenant. L'impulsion du grand coup devrait avoir de la région. Ça peut être utile, une fois que je me serai occupé de Regala. Sur les ailes des dix. L'espoir revient. À l'attaque!
carreaux. À genoux maintenant, et je te donnerai la mort que tu n'as pas eu le cran de me donner. Elles sont mortes! Les machines! Toutes mortes, il en reste pas une! Quoi? Mais comment est-ce possible? Le sang a assez coulé. On va régler ça, toi et moi. Facile à dire quand on est sur le dos d'une machine. C'était juste pour attirer ton attention. J'ai besoin d'aucune aide pour te mettre à terre. Bien. J'accepte ton défi. Et quand j'en aurai fini avec toi, je pourrai terminer ce massacre. Je compte pas trop là-dessus. Le duel commence. Que personne n'intervienne. Profitez du calme. C'est comme ça que tu veux la jouer. J'ai plus rien. Et notre solution. Une vraie guerrière doit avoir du sang-froid. C'est ici que tout s'achève. Oui, tu l'as dit. Je te résisterai. S'ouvrira. Tu es aussi faible que tous les enfants de l'être.
sel au lieu de verser du sang. Oh. C'est tout ce dont tu es capable. Si tu m'offrais ton sang, je le frapperais. Quand je t'aurai battu, ils verront que tu n'étais que la marionnette des Karja. Je t'écorcherai avant de partir. C'est ça, ta passion. Je teinterai ce sol sacré de ton... Et ça recommence. Me voilà à genoux et c'est lâche. Allez-y. Finissez-en avec moi. Cesse de caqueter, traîtresse. C'est toi qui as volé sur les ailes des Dix. C'est toi qui l'as défié par nos traditions. Tu dois décider de son sort. Je l'ai déjà épargné. Et cela ne nous a pas réussi. Dire que c'était ma meilleure maréchale. Quel gâchis. Elle est clairement dangereuse. Mais peut-être que c'est ce dont j'ai besoin. Bande de lâches! Pourquoi avez-vous encore besoin de conspirer? Nous décidons de ton sort. Ce n'est pas à moi de pardonner tes crimes. Mais un autre combat arrive. Contre un ennemi bien plus puissant que tout ce que tu peux imaginer. Et j'ai besoin de soldats, d'une escouade, qui sera prête à se battre jusqu'au bout. Je ne veux pas de ta pitié. Ce n'est pas de la pitié. La bataille dont je te parle sera un véritable cauchemar. Une mort bien plus glorieuse. Mon sang est à toi. Tes ennemis seront les miens. Rejoins-nous à notre bastion, dans les montagnes, près de Mélopée. Tu veux l'y envoyer toute seule? Sans même une garde armée? Elle n'en a pas besoin. Je t'y retrouverai. Tu as ma parole. Bien, je compte sur toi. Chef, vous devriez venir voir ça, tous les deux. Dans la salle du trône. Il s'est livré aux gardes en poste aux abords du bosquet. Il affirme avoir un message urgent pour l'étrangère qui a défait Regala. Alors, parle. Non, ce n'est que pour elle. De la part d'un ami commun.
J'ai besoin d'un peu d'intimité. Laissez-le. Placez-le avec les autres soldats de Regala. Nous nous retrouverons à la base. Tu as sauvé la tribu. À mon tour. Non. Sans Regala, vous pouvez maintenant bâtir le futur dont vous rêviez. Mettez-vous à la tâche. Alors, laisse-moi au moins te donner ceci. Une armure pour la bataille à venir. Qu'elle te protège. Merci. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu viens de faire ? Ah, moi aussi, je suis ravie de te voir, Silence. Je te félicite pour cette victoire. Tu viens d'offrir au Ténac un léger sursis. Malheureusement, tu viens également de condamner toute la planète. Non. Je n'ai pas besoin des Ténac pour vaincre les Zéniths. Oh, Aloy, tu n'as vraiment rien appris de l'ennemi que nous combattons. Plus que toi, qui te terre dans je ne sais quelle cachette. Mon plan dépasse de loin tout ce que tu aurais pu imaginer. Je t'écoute. Non, pas ici. On va le faire à ma façon. Face à face. Et avec l'arme que tu as développée. Et pourquoi j'accepterais tes conditions ? Parce que je suis ta seule chance de vaincre les Zéniths et de récupérer la copie d'Apollon dans leur vaisseau. Retrouve-moi à ma base. Les monts à l'ouest de Mélopée. Il va falloir te rendre à l'évidence, Silence, et te rallier à la personne qui sait ce qui doit être fait. Ne traîne pas. Tilde. Base. Presque. C'est... du gâchis. De ne pas les avoir renvoyés à l'est une bonne fois pour toutes quand...